L'aide est à terre. Oui, l'aide est à terre. Le haut-parleur, le pivot. Famille au cyber, ce film en se mettant les doigts. Ça fait 10 mois qu'il ne touche pas de prime. Ça fait 10 mois qu'il waka calo. Même les chicks de la garotière signe de nous, ne le tape pas cadeau. Et cette bande de la SEG qui met le poids sur nos maigres salaires. Y'a même plus de toilettes indigènes. Passe-moi l'union, je vais chier dans l'herbe. C'est pas l'état, donc c'est qui? C'est le madouaka qui augmente les prix. Détournement de mineurs, via grâce et dedans que le révérend bang à l'église. Le peuple pleure, j'entends les cris. C'est pas de l'encre, mais mon sang qui écrit. La constitution fait la prostitution, échange d'articles comme échange de bits. Tant que les effets s'impriment à l'Elysée, c'est la France qui va décider de les dunguer, qui va diriger, parce que les Wedis ici sont politisés. Ne te dis pas que tu notes tout le bled, parce que tu connais le bev. Dans le Gabon profond de Jaya Oyem, Maria de Mouna qui crève. Qui finance les présidents Fala, les salons marocains les ont vus défiler. Méfiez-vous de la tête qui vous place, ce sont les mêmes qui vont vous décimer. On veut boler tous les carcos des gars, là le sang des martyrs on ne peut plus essuyer. Les mentalités d'ici là sont malades, est-ce que la CNAMGS peut les assurer? La haine est viscérale, mais dans le sillon du silence. Regarde les chaînes nationales et comprends que le Shiba est immense. On se demande qui leur a donné les armes, si c'est pour nous voler les armes. Ils disent coup d'état ou bien cri d'alarme. Kelly Andor va pas né en larmes. Le blé est à terre, le blé est à terre. Le blé est à terre, le blé est à terre. Le blé est à terre, le blé est à terre. Le blé est à terre, le blé est à terre. Le blé est à terre, le blé est à terre. Le blé est à terre. Le bled est à terre, merde, il a encore plu hier. Comment faire pour sortir de la maison si en ville on se croirait sur mer? Bouyanga frappe ce mouna sans raison. Oh, il a encore bu hier, il a violé sa nièce de 6 ans. Est-ce qu'elle est encore pucelle? Après les élections, il tue nos mères et comme riposte, il nous demande la passivité. Ah, on s'en fout, la route qui mène à si je savais, un gros trou en plus, elle est mouillée. Pour que tu accèdes à l'équipe nationale, faut qu'on te paye ou que tu aies de l'affinité. Voilà pourquoi au fond, on joue toujours. Pitié du corps, il ne peut même plus bouder. Atalon dans sa tension la faille. Le bras Qatar refait ses bails. Faut pas suivre parce qu'il est petit de taille. Bébé le scène, c'est long comme le sail. Fatigue sévère scolaire, y'a pas de sky. Mais dans le vent de minis, y'a la maille. C'est la raison pour laquelle tous les fonctionnaires veulent que le papa la daille. Casquette des mondes du PDG. Et ça joue les opposants. C'est la mentalité du Gaboma qui peut dealer sa sœur sans effort. Ah si au bar à critiquer. Jamais ne parle en proposant des solutions. Il veut pas faire de petits métiers. Il dit le quoi est-ce qu'on s'est fort. Tu jettes à gauche, tu jettes à droite. Mani, l'idéologie est la même. Un jeune MPD, un jeune métier. Ça c'est le résultat du projet Crène. Le campus universitaire ferme. Où sont les promesses tenues pour l'UOB? Le comité d'action politique en fait n'était que le réfectoire de la cruauté. La lutte d'ici non n'est pas politique. Elle se situe au niveau culturel. L'état d'esprit que le Boma Konjo nous empêche d'aller au bout du tunnel. Le TRTR à 4 pattes. Et c'est la France qui lui pète le colon. La base militaire une arnaque. Elle ne défend que l'intérêt du colon. Mani, je parle réel. Hey, faut pas chercher à m'intimider. Ton téléphone sur écoute. Hey, ils vont tenter de t'éliminer, t'emprisonner, t'empoisonner. Des fois ils ne peuvent que te faire peur. Car chaque système est détenteur de son gène destructeur. Le blé est à terre. Le blé est à terre, le blé est à terre. Le blé est à terre, le blé est à terre. Le blé est à terre, le blé est à terre. Ceci n'est pas un discours politique, donc ne faites pas de récupération. C'est juste ma vision, mon opinion, face à la
Le bled est à terre, le bled est à terme. Bonjour, bonjour à toutes. C'est la première fois que je fais un live aussi matinal. Et ben c'est tout simplement pour vous annoncer mon retour. Voilà, oui, parfait. Écoutez, vous savez, il fallait que j'écrive ma thèse. J'ai pu écrire au moins une quarantaine de pages. Ça a été vraiment assez intéressant. 40 pages, c'est beaucoup, hein, 40 pages sur les 300 pages dont on me demande. J'ai pu ajouter 40 pages. C'était vraiment enrichissant. Entre-temps, j'observais un peu tout ce qui se passait. C'est vrai que j'étais aussi un peu frustré, hein, frustré par l'attitude de certains, pas tous les Gabonais, de certains Gabonais qui ont condamné la majorité. Donc, c'est tout ça qui me suit. Je me suis dit, bah, écoutez, il va donc falloir un peu que j'essaie de me concentrer sur mon travail. Alors, j'ai coupé les ponts avec tout le monde, Stéphane Zeng. Décliner ses appels, Yannick Domba qui commençait même déjà à vouloir prendre l'avion pour venir en Turquie, qui croyait qu'il m'était arrivé quelque chose. Grand frère Yannick, il ne m'est rien arrivé, t'inquiète pas, je suis de retour, je t'appelle dès ce soir, donc il ne faut pas te suicider, ton petit est toujours bel et bien là. Stéphane, désolé hein, si j'ai décliné tes appels, c'était juste que j'avais vraiment besoin de faire le vide et surtout me concentrer un peu sur ce que je faisais. Alors donc, merci à tous ceux qui m'ont écrit, qui s'inquiétaient, voilà et tout ça. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Vraiment, je suis très, très, très touché par votre sens de la préoccupation. Je vais bien, je n'ai pas été enlevé, je ne suis pas allé en prison et je ne sais pas trop ce que... Il y avait beaucoup, beaucoup de suggestions, hein, parfait, qu'est-ce qu'il y a, on t'a enlevé, on t'a mis en prison, on t'a empoisonné. D'autres même ont pensé que voilà, j'ai décidé d'aller de l'autre côté. Juste vous dire que ce n'est pas d'aujourd'hui que je vais abandonner le combat et vous me connaissez. Je suis très têtu, donc ce n'est pas vraiment aujourd'hui que je vais abandonner le combat. Par contre, entre-temps, il y a eu des choses qui se sont produites. Il y a des gens qui essaient de me localiser. Il y a un Français. Je vais vous donner leur identification parce qu'il y a trois personnes. Il y a deux Français et un Africain qui essaie de me localiser. Une troisième personne qui a essayé de rentrer dans mes deux comptes Facebook. Alors Facebook a bloqué mes comptes le jour en question. J'ai essayé de vérifier, de savoir un peu plus près qui essaie de le faire. J'ai à peu près une idée de la localisation de la personne. La personne est en Afrique. Alors, je ne comprends pas pourquoi on veut rentrer dans mon Facebook sur les deux comptes. Bon, bref, ce n'est pas important. Et j'ai aussi appris une chose. Lorsque vous êtes porté disparu, c'est là où vous êtes beaucoup plus vulnérable avec ce système. Parce que c'est là où ils multiplient tous les moyens pour essayer de vous localiser. Parce que c'est le moment où vous sortez des radars et tout. Voilà. Donc, c'est très, très important d'éviter de disparaître sans laisser de traces. Ça aussi, j'ai appris ça. Alors, donc... Pour revenir un peu sur ce que j'étais en train de dire, voilà, je suis de retour. Les choses, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont produites entre temps. Nous allons en parler, nous allons en parler. Oui, une autre aussi m'a dit, oui, parfait, qu'est-ce qu'il y a pour Pascal Ali Bongo est arrivé, que tu as eu honte. Ali Bongo est arrivé, ben, s'il vous plaît, entre nous. Ali Bongo est arrivé, il est aussi vite reparti. Il y a des rumeurs qui courent qu'il aurait fait un contre-avessé. Écoutez, c'est bon là, on va un peu s'arrêter avec cette histoire-là, d'accord. Aujourd'hui, la question n'est pas de Ali Bongo est en vie ou pas. Il est clair que notre problème, nous savons tous là où il se situe. Et moi, pour ce qui me concerne, je vais orienter les Gabonais vers ça. Bon, je suis un peu déçu parce que ce moment d'hibernation que j'ai eu à faire m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses. Oui, notamment savoir qu'est-ce qui réellement nous empêche de nous en sortir de ce combat. Contre qui réellement devrions-nous nous battre? Tout le temps de cette petite hibernation, j'ai publié certaines vidéos sur mon mur et j'espère que vous avez l'occasion de les regarder parce qu'on va faire des lives là-dessus au fur et à mesure. Ce sont des documents qu'on va utiliser pour nos lives, comme toujours, vous le savez. Voilà. Donc, je disais que ces petites vidéos vont nous permettre de nous situer, notamment d'abord le rôle que la France a joué depuis la guerre, hein, la guerre du Rwanda, hein, le génocide du Rwanda, ce qui s'est produit en 64, le coup d'état de 64, ce qui se produit en 2016 et aujourd'hui l'attente que certaines personnes ont de la France, ou du moins l'ignorance que nous avons encore de savoir qui tire les ficelles. On va revenir sur la question de la cruche. Qui est la cruche? Pourquoi la cruche est là? Certaines disent que non, c'est Sylvia. Sylvia n'a aucun pouvoir. C'est la France. Sylvia est française, certes, c'est le meilleur parti
pour jouer les gendarmes en Afrique au compte de la France. Donc, par conséquent, nous savons exactement qui est la cruche. La cruche, c'est un pion et nous savons qui est derrière la cruche. Donc, tout ça, on va revenir un peu dans l'histoire hein, de l'Afrique et de la France, dans l'histoire du Gabon et la France, dans l'histoire de 2016, pour comprendre ce dont nous avons aujourd'hui comme problème. Et peut-être, j'espère de là encore une fois de plus, qu'il y aura un sursaut de compréhension, de bonne compréhension, de bonne orientation des Gabonais sur ce qu'il reste à faire, ce qu'il nous reste à faire. Donc, merci beaucoup pour tous ceux qui ont été si nombreux à s'inquiéter pour mon absence. Vraiment, je suis vraiment touché pour ça. Là, je fais un petit voyage pour Istanbul, d'accord ? Une fois que je serai à Istanbul, je vais faire une soirée là-bas et ensuite je vais rentrer. Quand je vais rentrer chez moi, c'est là où on va recommencer la série des lives comme toujours, d'accord ? Donc, juste pour répéter en disant que Parfait n'a pas été vendu, Parfait n'est pas parti de l'autre côté, Parfait n'a pas été arrêté, Parfait n'a pas été empoisonné, Parfait n'a pas fui la résistance, certes un peu déçu, mais c'est pas grave, le combat c'est ça. Mais surtout qu'il fallait que j'écrive un peu, j'avance un peu dans ma thèse. Donc j'ai quand même pu écrire 40 pages. Vous savez ce que c'est 40 pages? C'est beaucoup 40 pages. Alors donc, voilà. Merci beaucoup pour tout ce soutien. Et surtout, les gars, s'il vous plaît, j'étais un peu déçu par l'attitude de certains Gabonais. Je parle de ceux qui sont pays, même s'ils n'étaient pas nombreux, mais l'attitude que les 1 millième ont fait a condamné tout le pays. Et ça, franchement, ça m'a beaucoup touché. Donc, merci. Et disons simplement qu'on va se voir d'ici très, très, très peu. Donc, encore merci d'avoir été si nombreux à attendre le retour de Parfait. Parfait est de retour, hein, d'accord? Bon, maintenant, on va se séparer avec un morceau. Et j'aimerais vraiment que vous reveniez sur ce morceau-là. Parce que ce morceau-là édifie toute notre situation, édifie énormément notre situation. Voilà pourquoi on va se séparer avec ce morceau. Vous connaissez le morceau. C'est justement ce morceau. Le bled est à terre, le mapan est en larmes. Ceci n'est pas un discours politique, donc ne faites pas de récupération. C'est juste ma vision, mon opinion, face à la situation qui prend le pays d'un homme. En tant qu'artiste et haut-parleur, ce que tes mounantries ont fait de toi. Les enfants du pays s'entretuent et vivent le même Gembe à la fin du mois. Les gouvernants trouvent toujours une chose pour étouffer la light quand l'affaire est noire. Y'a plus les Djana, les mères de famille au cyber. Ce film en se mettant les doigts. Ça fait 10 mois qu'il ne touche pas le prime. Ça fait 10 mois qu'il voit cacalo. Même les chicks de la garantie signe de nous, mais le tape pas cadeau. Et cette bande de la SEG qui met le poids sur nos maigres salaires. Y'a même plus de toilettes indigènes. Passe-moi l'union, je vais chier dans l'herbe. C'est pas l'État, donc c'est qui? C'est le Madouaka qui augmente les prix. Détournement de mineurs vient grasser dedans que le révérend banque à l'église. Le peuple pleure, j'entends les cris. C'est pas de l'encre, mon sang qui écrit. La constitution fait la prostitution, échange d'articles comme échange de bits. Tant que les cifres s'impriment à l'Élysée, c'est la France qui va décider de les nouguer, qui va diriger parce que les Wendy's ils sont politisés. Ne te dis pas que tu n'as tout le bled, parce que tu connais le bled. Dans le Gabon profond de Chayao Yen, yeah.
se croirait sur mer. Bouyanga frappe ce mouna sans raison. Oh, il a encore bu hier. Il a violé sa nièce de 6 ans. Est-ce qu'elle est encore pucelle? Après les élections, il tue nos mères. Et comme riposte, il nous demande la passivité. Ah, on s'en fout, la route qui mène. Ah, si je savais, un gros trou en plus, elle est mouillée. Pour que tu accèdes à l'équipe nationale, faut qu'on te paye ou que tu aies de l'affinité. Voilà pourquoi au fond, on joue toujours. Pitié du coach, il ne peut même plus bouder. Attends, dans cet enseignement la faille. Le bras Qatar refait ses bails. Faut pas suivre parce qu'il est petit de taille. Bébé le scène, c'est long comme le sail. Fatigue, c'est bien scolaire, y'a pas de sky. Mais dans le vent du mini, y'a la maille. C'est la raison pour laquelle tous les fonctionnaires veulent que le papa la daille. Casquette des mondes du PDG. Et ça joue les opposants. C'est la mentalité du Gaboma qui peut dealer sa sœur sans effort. Ah, si on part à critiquer, jamais ne parle en proposant des solutions. Il veut pas faire le petit métier. Il dit le quoi est-ce qu'on sait fort. Tu jettes à gauche, tu jettes à droite. Mani, l'idéologie est la même. Un jeune impédé, un jeune métier. Ça c'est le résultat du projet Train. Le campus universitaire ferme. Où sont les promesses tenues pour l'UEB? Le comité d'action politique en fait n'était que le réfectoire de la cruauté. La lutte d'ici n'en est pas politique. Elle se situe au niveau culturel. L'état d'esprit que le Boma coach nous empêche d'aller au bout du tunnel. Le TRT est à 4 pattes. Et c'est la France qui lui pète le colon. La base militaire une arnaque. Elle ne défend que l'intérêt du colon. Mani, je parle réel. Hey, faut pas chercher à m'intimider. Ton téléphone sur écoute. Hey, ils vont tenter de t'éliminer, t'emprisonner, t'empoisonner. Des fois ils ne peuvent que te faire peur. Car chaque système est détenteur de son gène destructeur. Planétaire. Chaque système est détenteur de son gène destructeur. Alors, vous choisissez, est-ce que vous êtes gène destructeur de ce système ou est-ce que vous êtes le torchon de ce système? Moi, je suis gène destructeur de ce système et je vais continuer à l'être. Donc, bon retour parmi vous. Disons à demain soir. Ciao.